Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux ce soir pour venir à nos conférences d'Andoum. Donc je vous rappelle que ces conférences d'Andoum sont présentées les derniers mercredis de chaque mois. Ce sont des conférences organisées par l'IMBE, l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, avec le soutien de l'OSU-PITEAS et Aix-Marseille Université. Donc bonjour à toutes les personnes présentes dans la salle et également à ceux qui nous suivent via Facebook ou YouTube, chez eux tranquillement sur les ordinateurs. Donc ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Alain Coulon, qui est ancien ingénieur IGN et qui est président de l'association Les Amis du Marégraphe, qui nous fait la grande joie, depuis le temps qu'on attendait cet événement, de nous faire une conférence sur le Marégraphe, qui apparemment attire les foules. Bravo Alain. Non, c'est pas moi, c'est le Marégraphe. Donc, on s'excuse, vous êtes un petit peu mal installé, mais on n'a pas l'habitude d'avoir autant de public. Donc, on va vous installer au mieux. Hein, Quentin est en train d'arriver. Donc, vous avez... Alain va nous parler environ 45 minutes, en fonction s'il est plus ou moins bavard. Et après, vous aurez tout le loisir de poser des questions. Également, les amis internautes pourront poser des questions sur le chat et je les poserai à Alain de leur part. Donc, je vous souhaite une très, très bonne conférence et je te donne la parole, Alain. Et encore merci. Merci, Carole. Eh bien, bonjour à tous. Je remercie l'IMBE et ses partenaires de me donner l'occasion de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le Marégraphe de Marseille. Alors, pour illustrer cette première diapositive de titre, j'ai choisi un tableau et c'est pas un hasard. C'est d'abord un tableau du peintre Sébastien Arquette. Il met en lumière à la fois le Marégraphe et les bâtiments où nous nous trouvons aujourd'hui. Et puis ensuite, pour notre association, l'art peut être une manière de faire le lien entre l'histoire et le présent, entre le patrimoine et la science. Alors avant de vous donner le plan de ma présentation, je voudrais faire de petits préambules qui, je l'espère, nous permettront de mieux nous comprendre. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un marégraphe ? Le mot marégraphe désigne à la fois un appareil qui mesure le niveau de la mer et un bâtiment qui abrite ces appareils. Concernant les appareils, vous en voyez deux ici sur les deux photos du haut. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces deux instruments. Concernant les bâtiments, l'aquarelle est l'œuvre de Catherine Dortoli, architecte et aquarelliste marseillaise, qui a peint plusieurs fois le Marégraphe. Le Marégraphe de Marseille appartient à l'État. Il est géré par l'IGN, l'Institut national de l'information, l'Institut national de l'information géographique et forestière, et c'est l'ex-ancien Institut géographique national. Ouais. Alors, deuxième préambule, que mesure le marégraphe ? Le mot marégraphe est composé de l'élément latin mare, la mer, et de l'élément grec grapho, j'écris, je décris. Il est utile de connaître cette étymologie pour ne pas commettre l'erreur de penser qu'un marégraphe mesure la marée. Ce phénomène, la marée, d'origine astronomique, n'est qu'un signal parmi d'autres qui affecte le niveau de la mer. À Marseille, port situé sur un littoral à faible marée, l'effet produit sur le niveau de la mer par les variations météorologiques dépasse assez souvent celui généré par les mouvements des astres. Et quand les effets météorologiques sont importants, on peut prendre ce genre de photos où les quais du Vieux-Port se retrouvent sous les eaux. Troisième petite précision avant de vraiment démarrer, comment mesure-t-on le niveau de la mer ? Alors on mesure aujourd'hui essentiellement avec des satellites.
on mesure avec des satellites et avec des marégraphes. Les deux techniques sont très complémentaires. L'altimétrie satellitaire est évidemment aujourd'hui très importante. J'en parlerai le moins possible si on veut rester dans les trois quarts d'heure impartis. Et j'essaierai de me concentrer en priorité sur un marégraphe particulier, celui de Marseille. Alors voilà le menu du jour. Le marégraphe, il est à la fois il présente deux atouts essentiels qui vont être développés dans les deux premières parties de ma présentation. C'est un monument historique aux qualités patrimoniales reconnues et c'est un observatoire scientifique moderne. Et dans la troisième partie, je vous présenterai l'association Les Amis du Marégraphe de Marseille, dont l'objet est de valoriser ces deux atouts. C'est ce qu'on fait, par exemple, aujourd'hui. Alors, on va commencer donc par la première partie, l'intérêt patrimonial du Marégraphe de Marseille. Donc, cet observatoire, il a été construit à la fin du XIXe siècle pour fixer l'origine des altitudes françaises continentales. L'altitude zéro. Comment détermine-t-on une altitude précise ? Quand je dis précise, je parle d'une altitude précise à quelques millimètres près. Eh bien, on emploie la technique du nivellement de précision. Donc, on utilise... le nivellement de précision, en précisant que la méthode qui utilise des techniques satellitaires, par exemple les satellites GPS, elle donne plutôt une précision centimétrique, alors que le nivellement, c'est du millimètre. Donc, comment fait-on ? On utilise deux sortes d'instruments. Donc, des mires de nivellement, c'est les grandes règles graduées que vous voyez sur les illustrations, là, qu'on tient verticalement. Entre deux mires, on met un niveau qui va faire des visées à l'horizontale. Donc, on met une première mire A. Quelques dizaines de mètres plus loin, on met une mire B. On fait une lecture A, une lecture B, et la simple soustraction va nous donner la dénivelée entre notre point A et notre point B. Ça, c'est quelques dizaines de mètres pour une opération énébentaire qu'on appelle une nivelée. Et après, quand on veut irriguer tout le territoire, la mire A, une fois que la mesure est terminée, elle avance, elle devient mire C, et on chemine comme ça le long des voies de communication de Marseille jusqu'à Brest, jusqu'à Dunkerque, etc. Donc, en haut à droite, vous avez des mesures qui sont faites sur le toit même du marégraphe. On expliquera tout à l'heure pourquoi. Et puis en bas, c'est juste pour vous montrer que ces mesures-là, on peut les faire avec des hommes qui tiennent les instruments ou avec des voitures. Les voitures, ça permet simplement de produire plus de kilomètres nivelés à la fin du mois. Voilà. Alors, au fur et à mesure de l'avancement des cheminements, on implante sur le terrain des témoins de ces mesures, et on appelle ça des repères de nivellement. Donc un repère de nivellement, ça peut ressembler à ça. Il y en a plein de sortes, mais celui-là, c'est le plus fréquent. Il y a plus de 450 000 repères de nivellement en France. Chacun est décrit par une fiche descriptive qui ressemble à celle-là. Donc ça, c'est la fiche du repère de nivellement qui est scellée dans la maison du gardien. Au centre de la photo, vous avez un petit point noir. C'est un repère comme celui qui est en haut. Vous pouvez participer à la mise à jour de... Donc toutes ces fiches-là, elles sont accessibles gratuitement sur Internet. Et vous pouvez participer à la mise à jour de ces fiches en remontant de l'information à l'IGN. Et notamment grâce à une application qui est téléchargeable sur votre smartphone. Cette application, elle s'appelle Géodésie de poche. C'est assez ludique, la recherche de repères de nivellement. Ça, c'est... Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ils adorent ça. Donc l'histoire du nivellement de la France est très longue, plus longue que celle du marégraphe de Marseille. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, il n'y avait pas de nivellement général de l'ensemble du territoire. Chaque fois qu'on avait besoin de nivellement pour chaque chantier, on faisait un référencement local. Et les deux photographies du haut représentent deux sortes de repères de nivellement qui sont présents à Marseille et qui matérialisent des réseaux locaux.
Puis, avec l'extension des réseaux de canaux et de chemins de fer, des besoins d'unification ont commencé à se faire sentir. Et de nos jours, l'appellation nivellement général de la France est générique et concerne trois réseaux de nivellement qui se sont succédés sur le sol de la France continentale. Donc entre 1857 et 1864, il y a un nommé Paul-Adrien Bourdaloue qui a établi un premier réseau de nivellement dont l'origine est fixée à Marseille, était déjà fixée à Marseille. Dès 1878, c'est le ministère des Travaux publics qui a décidé de reprendre et de poursuivre l'œuvre de Bourdaloue. Le travail a été confié à un service public, donc, dirigé par Charles Lallemand. Et le marégraphe de Marseille a été construit pour fixer l'origine de ce nouveau réseau. Et ensuite, entre 1962 et 1969, l'IGN a remis en état le réseau de base, en conservant l'origine du réseau NGF, l'allemand, on l'appelle comme ça. Donc aujourd'hui, pour un même repère physique supposé stable dans le temps, et pour des raisons liées à la fois aux mesures et aux calculs, on constate plusieurs altitudes historiques pour un même repère. Et ces altitudes, elles peuvent varier, elles sont très variables à l'intérieur de la France, et le maximum atteint 60 cm dans le nord de la France. Alors, on va parler plutôt des zéros, hein, des références, puisque c'est l'objet de notre conférence aujourd'hui. Donc, l'origine du nivellement Bourdaloue, c'était un trait 0,40 m d'une échelle de marée qui était au Vieux-Port, à l'intérieur du cercle jaune. Là. Alors une échelle de marée, c'est une règle graduée qui est scellée dans une maçonnerie sur laquelle, à intervalles de temps réguliers, un employé venait directement mesurer le niveau de la mer. Celle du Fort Saint-Jean, qui était en marbre, a perduré jusqu'à l'été 1944, et quand les troupes d'occupation ont dynamité le pont transbordeur, le pont est tombé sur l'échelle, a cassé l'échelle, et l'échelle n'a jamais été... On avait autre chose à faire que de remettre une échelle de marée en 1944-45. Donc elle a disparu. Aujourd'hui, elle se trouverait à peu près vers les grilles d'aération du tunnel sous le Vieux-Port. Alors pour obtenir une origine plus scientifiquement établie, le marégraphe de Marseille a été construit en 1883-84. Et la photographie en haut à droite est l'œuvre d'Adolphe Théris, qui était le photographe attitré de toutes les administrations locales à l'époque. Elle date probablement de janvier 1885. Donc les mesures effectuées au marégraphe débutent le mois suivant. Et on utilise les 12 premières années de mesure pour fixer l'origine du nivellement français continental. Alors comment on fait? Donc à partir de février 1885, les ingénieurs du NGF calculent des moyennes mensuelles du niveau de la mer mesuré au marégraphe de Marseille. Puis ils établissent la moyenne de ces moyennes. Et en traçant un graphique qui représente les variations de cette dernière valeur dans le temps, il constate que cette valeur oscille en s'en rapprochant autour d'une branche de courbe qui paraît être une hyperbole équilatère, c'est la courbe jaune sur le graphique. Et en 1897, au bout de 12 ans, ils choisissent comme zéro l'asymptote horizontale à cette hyperbole vers laquelle le niveau semble tendre de plus en plus. Donc il convient de noter que le zéro du NGF n'est pas, comme certains auteurs l'ont parfois écrit, la simple moyenne arithmétique des niveaux relevés entre février 85 et janvier 1897. Il en est quand même extrêmement proche. Et ensuite, le zéro NGF l'allemand est devenu le zéro NGF IGN 69, le réseau qui est en vigueur aujourd'hui. Alors, quelles sont les qualités de ce zéro? Donc, on a dit et répété qu'il était valable pour la France continentale, ce qui fait qu'à côté du marégraphe, à 30 mètres du marégraphe, là, il y a un petit panneau qui dit que c'est la base des mesures géodésiques en France et dans le monde.
Il a un petit caractère marseillais prononcé, le panneau. La France continentale et le monde, la France et le monde, c'est la France continentale et la Suisse quand même, parce qu'il n'y a pas de littoral en Suisse, littoral maritime, et donc toutes les altitudes suisses sont calées sur le zéro de Marseille. Voilà. Alors notre zéro, il est immuable, ou en tout cas, il a été immuable jusqu'à nos jours. On sait aujourd'hui que le niveau moyen de la mer de la Méditerranée à Marseille, il n'est plus le même qu'à la fin du 19e siècle. On en reparlera tout à l'heure. On ne change pas pour autant en permanence nos altitudes de repère de nivellement. On n'arrêterait pas. Et puis finalement, ça ne sert à rien. Ce qui nous intéresse, c'est avoir une dénivelée entre un point A et un point B. Et finalement, peu importe où est la référence. Ce zéro, il est quand même peu pratique, car il n'est pas matérialisé, il n'y a pas de trait gravé, il n'y a pas de repère de nivellement scellé au niveau du zéro de 1897. Et puis il est difficile d'accès, il est dans un puits. C'est pour cette raison qu'existe la notion de repère fondamental. Donc un repère fondamental, c'est un repère de nivellement particulier qui sert de point de départ à toutes les mesures et à tous les calculs des altitudes d'un réseau de nivellement. Donc le repère fondamental du nivellement français continental actuel, il est implanté dans le bâtiment du marégraphe. Il est constitué par un rivet en bronze dont la calotte supérieure est recouverte d'un alliage dur de platine et d'iridium, et c'est donc le repère F que vous voyez sur la photo du bas. Alors les marégraphes, là je parle des bâtiments, les marégraphes sont souvent abrités par des constructions assez réduites, comme par exemple à Brest, ou sont constitués d'installations encore plus simples. C'est un capteur sur une potence, avec juste un boîtier métallique relié à du matériel de transmission dans un bâtiment proche, comme par exemple sur l'île d'Aix. Le marégraphe de Marseille, c'est le seul au monde à bénéficier d'un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments principaux, un solide refuge pour les instruments, et puis une maison d'habitation qui a hébergé les gardiens des lieux. Il y a eu 11 gardiens qui se sont succédés au marégraphe de Marseille entre 1883 et 1988. Le marégraphe mécanique de Marseille comprend une partie relativement classique qui traçait sur du papier la courbe des enregistrements de la mer en fonction du temps. Ces enregistrements, on appelle ça des marégrammes. Ces marégrammes, ils ont fait l'objet d'une publication sur notre compte Instagram, si vous êtes abonné, avant-hier. Ils ont été numérisés, tous ces marégrammes, aux environs des années 2000. Donc même si on perdait la donnée papier, la donnée chiffrée est conservée. Ce qui fait l'unicité du marégraphe de Marseille, c'est une autre partie de l'instrument qu'on qualifie de totalisatrice parce qu'elle fait en permanence des sommes de niveaux d'eau et dont le résultat est lisible sur l'appareil. Le totalisateur, c'est un intégrateur mécanique. Il permet d'obtenir très facilement et avec une très grande précision, beaucoup plus rapidement et sûrement qu'avec les marégrammes, un niveau moyen de la mer sur une période de temps choisie, une semaine, un mois, 10 ans, si on veut, on fait ce qu'on veut. Donc l'arrêté du 28 octobre 2002 considère que la conservation du marégraphe de Marseille présente au point de vue de l'histoire un intérêt public en raison de l'importance de cette réalisation au regard de l'évolution des procédés de mesure scientifique. Il classe l'observatoire, l'ensemble immobilier, l'appareil mécanique et toutes les installations techniques parmi les monuments historiques. Donc la suite de mon exposé est consacrée aux aspects très modernes du marégraphe de Marseille, principalement liés au suivi et à la compréhension de l'un des très nombreux effets des changements climatiques, l'élévation de plus en plus rapide du niveau moyen des mers. Nous n'allons pas parler globalement des changements climatiques, pour lesquels il existe une très abondante littérature scientifique.
ni même traiter de l'évolution du niveau de la mer à l'échelle du globe, mais au contraire se focaliser au maximum sur les résultats obtenus à Marseille, qui sont d'ailleurs très cohérents avec ce qui est observé au niveau mondial. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est ce qui fait le lien entre l'histoire du marégraphe de Marseille et sa modernité, c'est la qualité et la longueur de la série temporelle de hauteur d'eau qu'a produit le marégraphe. Cette qualité a attiré l'attention de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, qui a mis en œuvre le réseau mondial d'observation du niveau de la mer GLOSS. Et parce qu'ils sont à l'origine des séries les plus longues, les marégraphes de Marseille et de Brest, que vous voyez sur la carte là, sont intégrés à GLOSS, un réseau composé de plusieurs centaines de marégraphes qui forment une ossature autour de laquelle se rattachent des projets plus denses, régionaux, nationaux, comme par exemple le réseau d'observation du niveau des mers RONIM, qui est géré par le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine. Alors, le marégraphe de Marseille participe aussi à la constitution de la base de données du PSMSL. Le site internet de cette organisation témoigne de la qualité de la série de hauteur d'eau produite à Marseille, avec le critère qui est en face de la grosse flèche rouge. Là. Ce critère indique que depuis 1885, le marégraphe de Marseille a fonctionné correctement pendant 97% du temps. Par rapport aux autres installations dans le monde, c'est tout à fait exceptionnel et remarquable. Cette qualité peut être aussi montrée par la courbe donnant le niveau de la mer en fonction du temps, avec seulement trois périodes de panne ou de mauvais fonctionnement. On a un trou en 1951-52, en 97-98 et en 2010. On reviendra tout à l'heure sur cette courbe. La qualité de la série de Marseille est aujourd'hui garantie et renforcée par des instruments modernes. Alors le premier d'entre eux, c'est un marégraphe côtier numérique, on dit MCN, qui fonctionne avec des ondes radar. Donc en haut à gauche, vous avez l'émetteur d'ondes radar qui est installé 2 mètres au-dessus du puits. Les ondes sont émises en direction de l'eau, réfléchies par la surface de l'eau, et on mesure le temps d'aller-retour qui est transformé en hauteur. Donc jusqu'en 1990, un premier marégraphe numérique installé au marégraphe de Marseille en 1998. Donc jusqu'en 1998, les moyennes mensuelles et annuelles collectées par le PSMSL étaient établies à partir du marégraphe totalisateur. Et depuis 1998, c'est les données transmises par le MCN qui sont exploitées au niveau mondial. C'est quand même plus facile aujourd'hui de gérer des fichiers numériques que des enregistrements papier. Le marégraphe totalisateur n'en est pas pour autant mis à la retraite. Ça a été écrit dans la presse locale il y a quelques dizaines d'années. C'est faux, il est toujours entretenu, et comme le marégraphe numérique, il fait l'objet d'un étalonnage annuel. Il y a des mesures hebdomadaires qui sont constamment effectuées en parallèle aux mesures faites avec le marégraphe numérique. Et le rôle du marégraphe totalisateur, c'est de garantir la continuité de la série de données de hauteur d'eau. Il ne faudrait pas que ce qu'on croit être une hausse du niveau de la mer soit dû en fait à un changement d'appareil ou de technique de mesure. Hein. Et ça, c'est notre instrument qui mesure la même chose au même endroit, dans les mêmes conditions, depuis presque bientôt 140 ans, qui nous assure, qui nous donne cette garantie. Il y a un deuxième type d'instrumentation moderne et permanente qui équipe le marégraphe de Marseille, c'est une station de positionnement par satellite.
Donc les marégraphes mécaniques et numériques mesurent le niveau de la mer par rapport à des repères matériels implantés dans les bâtiments du marégraphe au-dessus du niveau de l'eau. Quand cette mesure donne une valeur qui diminue dans le temps, la question qui convient de se poser, c'est que mesure-t-on ? Une hausse du niveau de la mer, un tassement de notre observatoire, ou peut-être un peu des deux ? Et bien ça, pour répondre à cette question, on utilise des satellites GNSS, donc c'est Global Navigation Satellite System. C'est le nom générique de plusieurs systèmes de navigation satellitaire sur l'ensemble de la planète. Vous avez GPS américain le plus connu, GLONASS russe, peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu brouillé, Galileo pour l'Union européenne et Beidou pour la Chine. Donc en recevant les signaux émis par les satellites GNSS, l'antenne qui est installée sur le toit du marégraphe, que vous voyez là-bas, la petite soucoupe volante, là, couplée à un récepteur qui est à l'intérieur des bâtiments, détermine les mouvements absolus du bâtiment. Et lorsqu'on trace l'élévation du marégraphe depuis 1998, hein, depuis que cet appareillage est en place, on a une courbe dont la tendance est parfaitement horizontale, ce qui veut dire qu'effectivement, à Marseille, on constate que la diminution de la quantité mesurée par les marégraphes correspond bien à une élévation du niveau de la mer. Voilà. Ce n'est pas le cas partout. Hein. Sur d'autres marégraphes, on a d'autres constatations. Alors, quel résultat donnent toutes ces mesures ? À gauche, on retrouve la courbe qu'on a vue tout à l'heure, qui est établi à partir des moyennes mensuelles diffusées par le PSMSL. Et depuis 1885 jusqu'en septembre 2020, cette courbe donne une élévation du niveau de la mer qui est de 18 cm. Je donne cette valeur parce qu'elle est en général très attendue par les personnes qui m'écoutent, mais je la fournis presque à regret parce qu'elle est tellement évolutive qu'elle nous pose des problèmes de communication. Il faut prendre ça aujourd'hui, c'est 18 cm pour un minimum. Je vous ai dit que c'était jusqu'en septembre 2020. On est en mars 2022. Aujourd'hui, on est très probablement plutôt plus proche des 19. Bon, finalement, peu importe 18, 19, 20, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que je vais dire ensuite. Donc si on répartit ces 18, ouais, je suis allé un petit peu vite. Si on répartit ces 18 cm sur les 137 ans de mesure, ça fait une élévation moyenne d'environ 1,2 mm par an. Là aussi, je donne cette valeur, mais elle n'a qu'un intérêt comparatif, car en fait, l'élévation du niveau de la mer, elle n'est pas régulière, elle est de plus en plus rapide. Et on a plusieurs choses qui nous le montrent à Marseille. Par exemple, une étude qui a été publiée en 2014 qui distinguait trois périodes d'observation consécutives qui donnaient des taux de variation du niveau de la mer de plus en plus fort. C'est ce qui est dans la forme rouge là, que j'ai entourée en rouge. Ça peut être montré également en considérant les hauteurs d'eau diffusées par le PSMSL uniquement sur les 40 dernières années. Donc c'est les mêmes données que la courbe qu'on a vue tout à l'heure, juste sur 40 ans. Donc là, la courbe, elle passe d'une hauteur d'eau d'environ 9 cm à une hauteur d'eau d'environ 21 cm. La différence de 12 cm divisée par 40, ça donne une élévation de 3 mm par an, qui est donc plus de deux fois supérieure au 1,2 que nous avons évoqué il y a deux minutes, hein, pour les 137 ans. Cette tendance de 3 mm par an, elle est, disons, très cohérente avec les moyennes retenues au niveau mondial pour les années les plus récentes, qui varient suivant les calculs, les analyses, entre 3 et 4 mm par an. Les années les plus récentes, aujourd'hui, on est quasiment à 4 mm par an.
Parfois, j'ai des visiteurs au marégraphe qui me disent « Bon, quelques millimètres par an, c'est pas grand-chose. » qui se détrompent. Hein. D'après le dernier rapport du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, qui date de février, hein, c'est pas vieux, l'élévation du niveau de la mer pourrait directement menacer plus d'un milliard de personnes d'ici 2050. Ça fait beaucoup de monde. Et comme un dessin vaut souvent mieux qu'un long discours, j'ai récupéré celui-ci sur Internet, je n'en dirai pas plus. Je ne suis pas ici pour vous casser le moral, mais plutôt pour répéter des messages maintes fois exprimés par de nombreux scientifiques. Il y a urgence à agir et à s'adapter. C'est notamment ce qu'essayent d'expliquer avec leurs moyens extrêmement modestes les amis du marégraphe de Marseille. Et donc, avec un ton beaucoup plus joyeux, j'en arrive à la troisième partie de mon exposé consacrée à notre association. La valorisation du marégraphe de Marseille a commencé bien avant la création de l'association. J'ai commencé à travailler à l'écriture de mon livre en 2004. J'y ai consacré presque 10 ans de la plus grande partie de mes soirées et de mes week-ends. J'en ai un exemplaire avec moi ici, donc si vous intéresse tout à l'heure, vous pourrez le feuilleter, et si vous voulez même le commander, c'est possible. Entre 2013 et 2019, la valorisation du marégraphe de Marseille a pris plusieurs formes. Des conférences déjà, comme la photo d'en haut, c'était la première au musée d'histoire, il y avait 200 personnes. Des interventions dans les médias, comme ici sur le plateau de FR3 un soir, et puis au micro d'ITélé. Des visites du marégraphe qui ont quand même permis, même si le lieu est tout petit, d'accueillir 10 000 personnes entre 2013 et 2019. Tout ce qui a été fait jusqu'en 2019 en termes de valorisation du marégraphe a été fait au nom de l'IGN. Moi, j'étais ingénieur IGN jusqu'au mois de juin dernier. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Et avec mon départ à la retraite, on était un certain nombre à avoir compris qu'il existait un risque non négligeable pour que toute l'activité de valorisation du marégraphe diminue très fortement. Hein. On va le dire de cette façon-là. Afin de pallier ce risque, on a été une quinzaine de personnes à créer l'association Les Amis du Marégraphe de Marseille en janvier 2021. Donc notre première raison d'être, c'est de valoriser par tous les moyens à notre disposition les atouts exceptionnels de cet observatoire. Nous travaillons par exemple actuellement à la création d'une bande dessinée consacrée au Marégraphe de Marseille. Nos grandes orientations sont les suivantes. On veut continuer sous une forme à définir avec le gestionnaire du site, hein, l'IGN, à ouvrir le marégraphe au public. C'est une question complexe que nous espérons résoudre en 2022 avec l'IGN. On veut avoir en coopération avec d'autres organismes une action pédagogique qui inclut pour les adultes des conférences, comme on fait en ce moment, et pour les enfants, des visites dédiées et des interventions en milieu scolaire en appui aux enseignants. Alors pour les conférences, plusieurs autres sont déjà prévues à l'automne, à l'École nationale supérieure maritime à Pointe-Rouge, à Cabriès, au Centre culturel Péresque à Toulon, et depuis ce matin, au Grec Sud, qui est installé à Coco-Velten, près de la Porte d'Aix. Pour les scolaires, nous sommes par exemple inscrits à la Fête de la Science et au Festival de la Science, qui auront lieu en octobre. Et dans ce cadre-là, nous participerons à l'opération Science dans les classes. On a l'idée d'établir un petit atelier de mesure de niveau de la mer avec un modèle réduit de marégraphe à pression, des choses assez ludiques pour les gamins, mais qui peuvent intéresser les adultes aussi. Voilà.
Depuis 2 jours, j'ai vu en photo ce qu'on va présenter au mois d'octobre. Troisième grande orientation, en plus des actions de vulgarisation scientifique et de valorisation du marégraphe, on veut s'inscrire, avec modestie, dans la nécessaire communication, donc sur la compréhension des phénomènes qui touchent le niveau de la mer et sur l'adaptation nécessaire au changement climatique. Alors notre première action a été de se doter d'un site internet. Je vous invite à le visiter, il est régulièrement mis à jour et de plus en plus riche. Vous y trouverez plein de choses. On parlait tout à l'heure d'un jour en marégraphe, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Une de nos premières actions, ça a été également de contacter des personnalités afin de leur demander d'être membres d'honneur de notre association. Presque toutes les personnalités contactées ont répondu rapidement et favorablement. Ce soutien parfois enthousiaste et la hauteur de vue contenue dans les réponses des scientifiques de renom et des personnalités connues dans plusieurs domaines nous a confortés dans nos objectifs. Et cet appui nous a donné d'emblée un certain poids à notre association. Ce poids, il a été encore accru par l'arrivée de nombreux partenaires, dont certains sont très prestigieux. Ils ne sont pas tous sur la diapo, leur nombre est aujourd'hui supérieur à 40. Parmi eux, je vais citer un seul partenaire, c'est l'Ordre des géomètres experts. C'est tout simplement parce que c'est notre principal soutien financier aujourd'hui. Notre association utilise donc tous les moyens à sa disposition pour mieux faire connaître le marégraphe de Marseille. Parmi ces moyens, je veux mettre aujourd'hui l'accent sur les réseaux sociaux. Nous avons un compte Instagram qui nous permet, en publiant une image tous les 3-4 jours depuis le mois d'octobre, c'est assez astreignant, mais je le fais, de diffuser des messages ciblés, de faire connaître l'histoire de marégraphe, de rendre hommage aux hommes qui ont construit cette histoire, de promouvoir des œuvres artistiques dédiées au marégraphe, comme celle que vous avez vue en titre tout à l'heure. Donc si vous avez un compte Instagram, je vous invite à vous abonner à nos publications. Et si vous n'en avez pas encore, je vous invite à en créer un. Vous pouvez le créer juste pour aller voir les diapos du marégraphe. Vous n'êtes pas obligé de publier vous-même. Il y a un deuxième moyen de promotion sur lequel je veux mettre l'accent. C'est un feuilleton qu'on a baptisé « Un jour au marégraphe ». Donc 2 fois par mois, on raconte un épisode de la vie du marégraphe qui est ciblé sur un jour. Les récits sont très courts, on n'est pas obligé de se taper les 640 pages du bouquin, voilà, on peut prendre ça jour par jour. Et donc on diffuse ça sous forme de fichiers PDF qui sont sur notre site internet, et les publications sont notamment annoncées sur notre compte Facebook et sur un certain nombre de comptes de nos partenaires. Voilà, j'arrive à la fin de mon exposé. Je vais vous remercier de votre attention. Je voudrais encore une fois vous rappeler les 2 atouts essentiels du marégraphe de Marseille. Ses qualités patrimoniales reconnues, son intérêt actuel et futur. Ces 2 atouts, dont la combinaison en un même lieu est assez exceptionnelle, sont illustrées par les 2 diapositives que vous avez ici. Elles sont valorisées et promues par une association récente que nous voulons dynamique, innovante, apolitique, ouverte à tous, mais portée par des convictions très très fortes. Voilà. Je ne peux que vous inviter à adhérer aux Amis du Marégraphe. Et dans l'immédiat, j'espère que mon discours va susciter beaucoup de questions et d'échanges. Merci à vous.
Merci beaucoup Alain, donc je passe le micro à qui le veut. Le premier, c'est toujours dur. Bonjour monsieur, je souhaitais savoir combien coûte le livre. Alors, c'est un gros bouquin qui fait 640 pages, qui fait 1,5 kg. C'est du papier glacé, il y a 400 illustrations, donc forcément l'éditeur m'a dit normalement je devrais le vendre à 120 €. Il est vendu sur le site de l'éditeur à 90 €. Et si vous me le commandez ici, par exemple, je peux vous faire 5% et donc ça fait 85,50. Voilà. Et je peux le dédicacer comme je l'ai fait tout à l'heure à un de nos partenaires avant la conférence. Pour lancer le public dans la salle, j'aurai une question. Après, je vous passe la parole d'un internaute sur YouTube. Quelles ont été les justifications qui ont fait que le Marégraphe a été installé à Marseille? Oui. Alors, on va commencer d'abord pourquoi la Méditerranée? L'objectif, c'était d'établir un niveau moyen de la mer. C'est quand même beaucoup plus facile en Méditerranée, dans une mer où il y a très peu de marées, de mouvements de niveau d'eau. Ça aurait été beaucoup plus compliqué au Mont-Saint-Michel. Donc pourquoi la Méditerranée? Et après, pourquoi Marseille sur la Méditerranée? On a parlé tout à l'heure d'un nivellement Bourdalou dans les années 1860. Ce nivellement Bourdalou, il a relié plusieurs marégraphes en France. Et le résultat de ces mesures, c'était les mesures de l'époque, disait que le niveau le plus bas, c'était celui de Marseille. Donc établir un zéro à Marseille, ça évitait de gérer des altitudes positives et négatives. C'était juste un problème pratique, finalement, pour éviter de gérer des plus et des moins. C'était pas tout à fait la seule raison, parce que vraiment, le niveau le plus bas, c'était Port-de-Bouc, qui était 3 cm en dessous de Marseille. Mais Port-de-Bouc, en 1885, à part des moustiques et du palu, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, ils ont quand même préféré le mettre dans un port avec des administrations qui étaient là pour faire les mesures, pour entretenir le matériel et des choses comme ça. Voilà pourquoi Marseille. D'accord. Merci Alain. J'ai une question au fond de la salle. Oui, bonsoir. Pour revenir sur la question justement de votre livre, est-ce que vous envisagez une version allégée, si je puis dire, de votre livre? Parce que au-delà du prix, 620 pages, c'est... Donc on a parlé de BD tout à l'heure, donc vous pourrez peut-être commencer par acheter la BD. Oui, pourquoi pas. Après, c'est une question qu'on a discutée avec l'éditeur dès la parution en 2014. Lui ne voit aucun problème pour qu'il y ait une version light, Reader Digest. Bon, c'est pas ce qu'on va faire en premier, mais pourquoi pas dans les années à venir. Ouais. C'est quand même, même si on fait 20 ou 30 pages, c'est du boulot, quoi. Ouais. Donc pour le moment, je croule un peu sous le travail. Il va falloir d'abord trouver des financements. Donc on a un premier devis. On voudrait avoir d'autres devis pour comparer. Et puis, dès qu'on aura trouvé l'argent, et on espère la sortir le plus vite possible. Mais je peux difficilement vous donner un calendrier aujourd'hui. Vous allez trouver le dessinateur. Peut-être. Merci Alain. J'ai une question au fond de la salle. Oui, merci pour cet exposé et aussi pour l'idée de la BD qui, à mon avis, est très complémentaire de ce que vous avez fait. J'ai une question peut-être un peu technique. C'est au début de votre exposé, vous avez expliqué, il me semble, comment a été établi le niveau zéro à partir d'une série de courbes. Vous avez parlé d'hyperbole équilatère et d'une asymptote et vous avez dit on a plutôt utilisé ça qu'une moyenne arithmétique. Je ne comprends pas bien ce choix. En fait, on voulait établir... La moyenne arithmétique,
Oui, la moyenne arithmétique paraît naturelle et c'est pas ce qu'ils ont fait à l'époque. Cette moyenne des moyennes tous les mois. Donc plus il y avait de valeur, effectivement, bah, plus on tendait vers une limite, quoi. Et c'est cette limite qu'ils ont choisie. Après, pourquoi ils ont fait comme ça, je n'ai pas vraiment la raison. Et une autre question, si je peux. Mais c'est à 1 mm près, on obtient le même résultat. D'accord. Donc comme de toute façon, on a quelque chose qui est conventionnel, voilà. Très bien. Et j'ai une autre question sur le... Donc il y a Marie-Graf à Brest, donc j'imagine qu'il mesure aussi... il doit y avoir un niveau zéro pour Brest, enfin en tout cas pour l'Atlantique. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a une différence avec celui de Marseille ? Alors, ça dépend ce que vous appelez niveau zéro. Ben, l'équivalent pour, de celui de Marseille. Pour l'altitude, donc le zéro des terres, il n'y a qu'un zéro en France continentale, c'est à Marseille. Donc effectivement, des fois, à 50 mètres de la mer, à Brest, à Dunkerque, à La Rochelle, etc., et ben, le zéro, c'est Marseille. Même s'il y a un marégraphe tout proche. Voilà. Après, les marégraphes, le seul qui est géré par l'IGN, c'est Marseille. Tous les autres, ils sont gérés par le CHOM, pour des raisons plus orientées vers la mer et pas vers la terre. Et il y a différents zéros qui dépendent des marées. Donc le zéro terrestre, il est unique pour la France continentale. Et le zéro hydrographique, il est par région. Il y a plusieurs zéros hydrographiques qui dépendent des différentes observations locales. Voilà. Très bien, merci. Avec une différence entre les deux qui varie suivant les régions. Une question, monsieur. Je suppose qu'il y a l'équivalent de marégraphe dans le monde entier. Est-ce que dans les variations, les moyennes dans le temps, il y a des corrélations très nettes entre les variations des différents marégraphes? Alors on a vu tout à l'heure une carte où il y avait plusieurs centaines de marégraphes, le réseau GLOSS, là. J'ai essayé de faire court dans le temps, donc effectivement on n'a pas montré des cartes mondiales. Le niveau de la mer, il ne monte pas partout de la même façon. Il y a même des endroits où il est plutôt à la baisse. Mais globalement, sur l'ensemble du globe, la tendance est quand même plutôt à la hausse. Et je l'ai dit au tout début de ma présentation, moyenne, Marseille est à peu près dans la moyenne mondiale. Voilà. Merci Alain, j'avais une question devant. Bonjour. Du coup, il y a une partie de la question qui vient juste d'être posée. Et moi, je voulais savoir quel est le delta entre, justement, au niveau mondial, au niveau du niveau zéro, au niveau dans les différents... On peut pas donner le delta. Vous m'entendez? La plus grande différence qui est... Il n'y a pas de... Ah, la plus grande différence... Entre le niveau zéro en France et nulle part. Je ne l'ai pas en tête. Non, je vais vous dire une bêtise. Mais voilà, il faut savoir que le niveau de la mer, il dépend de tellement de facteurs qu'effectivement, les différents bassins ne réagissent pas de la même façon au changement climatique. Donc on mesure des choses différentes sur l'ensemble du globe. Et au niveau des méthodes qui sont utilisées pour mesurer, c'est uniforme ? Au niveau mondial, est-ce que vous utilisez les mêmes outils ? Oui, alors on a dit tout à l'heure que l'altimétrie satellitaire était quand même aujourd'hui prépondérante. Hein. Mais l'altimétrie satellitaire, d'abord, elle est relativement récente, c'est les années 90. Et pour avoir une tendance à long terme de l'élévation du niveau de la mer, les scientifiques considèrent qu'il faut 40 ans de mesure. On retrouve les 40 ans. Que j'ai pris tout à l'heure là, pour la courbe, c'est pas tout à fait un hasard. Donc on n'y est pas encore aux 40 ans, 90-2022. Donc on a encore besoin de marégraphes. Et en plus, l'altimétrie satellitaire, l'analyse des images est compliquée dès qu'on s'approche de la Terre, même s'il y a plein d'équipes dans le monde qui travaillent sur ces sujets-là, et même si ça s'améliore.
l'altimétrie satellitaire sur l'ensemble de la surface des océans et les marégraphes sur les littoraux, c'est complémentaire et utilisé par l'ensemble des pays dans le monde. D'accord. Et les techniques sont les mêmes? C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, vous disiez on prend les moyennes. Moi, par exemple, j'aurais eu tendance à prendre la médiane. Est-ce que vous prenez le... Est-ce que dans tous les marégraphes, c'est calculé pareil? C'est-à-dire qu'on prend la moyenne sur... Le tout c'est de comparer des choses comparables. Oui, c'est pour ça. Voilà. Vraiment, le plus intéressant aujourd'hui, c'est les tendances à long terme. Et du coup, c'est uniformisé. Voilà. Ok, très bien. Merci. Une question? Attendez, alors, la dame est devant. Juste par rapport à l'altimétrie satellitaire, vous disiez que... Faut que je parle comme ça, ça va mieux ? Par rapport à l'altimétrie satellitaire, vous disiez que la mesure du niveau de la mer était au centimètre près. Donc ce que je ne comprends pas, c'est que même sur 40 ans, comment peut-on mesurer des variations au millimètre avec cette mesure au centimètre près? Ou alors, je n'ai pas bien compris. Alors oui, j'ai parlé du centimètre, mais pas à propos de l'altimétrie satellitaire. J'en ai parlé à propos d'autres satellites, le GPS. Okay. Hein, ce n'est pas les mêmes satellites, mais quand même, une mesure satellitaire, effectivement, elle donne pas instantanément le millimètre. On arrive à avoir des choses qui sont comparables à de la marégraphie ou à dénivellement sur des périodes longues. C'est exactement ce qu'on fait aussi sur la Terre avec le GPS. Je vous ai dit tout à l'heure, on se garantit qu'on mesure bien une élévation du niveau de la mer avec du GNSS. On peut pas le garantir instantanément. C'est parce qu'on a des séries très longues permanentes qu'on arrive à approcher le millimètre. Ouais. Donc je reviens vous donner le micro. Bonjour. Vous avez présenté une évolution du niveau de la mer depuis 1880 avec une hyperbole qui descendait. Ouais, pourquoi qu'est-ce que c'était cette hyperbole? Ouais, c'est la même question que monsieur tout à l'heure. Pourquoi on a fait comme ça? Je reviens sur... C'est pas du tout l'élévation du niveau de la mer. Hein. On peut peut-être y revenir. C'est le moyen de fixer le zéro des altitudes. Voilà, c'est celle-là. Hein. Donc on a commencé à mesurer le niveau de la mer avec notre marégraphe mécanique totalisateur en février 1885. Au bout d'un mois, on avait une moyenne mensuelle. Au bout de deux mois, on en avait deux. Au bout de trois mois, on en avait trois. Et au fur et à mesure, on a fait la moyenne de ces moyennes. Voilà. Et cette courbe, elle traduit l'évolution de cette moyenne des moyennes sur 12 ans. Et donc, on a la courbe rouge réelle. Cette courbe rouge, elle nous donne une tendance qui est la courbe jaune, qui est une hyperbole qui tend vers une certaine limite. Et on a utilisé cette limite comme zéro des altitudes. C'est... Parce que la précision augmentait au cours du temps, c'est ça? C'est plutôt plus on a de valeurs, moins la moyenne varie. Oui, voilà. Au début, il y avait moins de mesures. Oui, voilà. C'est pour ça que vous... C'est pas. Et après, pourquoi 12 ans? On aurait pu s'arrêter beaucoup plus tôt quand on voit la courbe. Il faut bien voir qu'en même temps qu'on mesurait le niveau de la mer, on avait le réseau allemand qui s'établissait, donc de nouveaux repères de nivellement. Et puis à un moment donné, les utilisateurs de ces repères, ils
commencé à pousser un petit peu pour qu'on établisse un zéro et qu'on voilà, que tout le monde parle de la même chose et qu'on ne reste pas sur, sur le réseau Bourdaloue qui datait de 20 ans auparavant. Quoi. Ils étaient pressés. Voilà. Ben, pressés, ils n'ont pas été pressés, ça a mis 12 ans quand même. Avant de vous passer la parole, je prends une question d'un internaute parce que sinon ils se sentent lésés. Virgile qui nous demande, historiquement, est-ce que le Marégraphe a enregistré des événements exceptionnels? Alors oui et non. Il est quand même fabriqué pour établir un niveau moyen. Et donc physiquement, il y a une galerie d'amenée d'eau qui prend l'eau dans la mer, dans l'Anse Calvo qui est à côté du Marégraphe. Hein, on voit l'entrée de la galerie qui est là sur la photo là. Il y a une galerie de 8 mètres de long. Cette galerie, elle est fermée par deux portes. Ces portes, elles sont percées de petits trous à la base pour laisser passer l'eau. Entre les portes, il y a encore une cloison, des chicanes, des puisards. Donc tout est fait pour casser toutes les ondes courtes, les vagues, la houle, et ne laisser passer que les plus longues, la marée. Hein. Donc effectivement, ce n'est pas l'endroit le plus adapté pour voir des événements exceptionnels. Si on en prend un, par exemple, le tremblement de terre à Boumerdès, c'était 83, je crois, en Algérie. La vague, elle est arrivée jusqu'à Marseille. Elle s'est vue sur le littoral marseillais, mais elle se voit très peu sur les courbes du Marégraphe. Parce qu'il a été construit pour que ça se voit le moins possible. Voilà. D'accord. Ah. Merci Alain. Je reviens vers vous. Non, moi j'ai une question. Vous avez vu qu'il y avait trois interruptions. Vous avez dit que vous nous toucherez un mot. C'était pour ça. Oui, alors en... À qui j'avais promis le micro? C'est monsieur, pardon. Alors, de mémoire, j'en connais au moins deux. La troisième, je ne sais plus pourquoi c'était. En 1951-52, dans le même puits que notre marégraphe mécanique, donc on a un puits avec de l'eau qui arrive par la galerie là, et sur la surface de l'eau qui est dans le puits, il y a un flotteur, et c'est les mouvements du flotteur qui monte et qui descend en permanence qui sont transmis à l'appareil totalisateur qui est à l'étage au-dessus. En 1950 ou 51, je ne sais plus, dans le même puits que ce flotteur qui était en cuivre, ils ont installé un autre flotteur de marégraphe, un marégraphe brillé, qui était lui aussi en cuivre. Et il y a eu des courants galvaniques entre les deux masses métalliques qui ont complètement faussé les mesures. Donc on n'a pas de trou dans les mesures. On a simplement un pic extraordinaire. On a l'impression que le niveau de la mer, il augmente. Voilà. Donc ces mesures, en fait, elles ne sont pas validées parce que le marégraphe fonctionnait mal. Et donc sur la courbe du PSMSL, c'est traduit par un trou. Donc ça, c'est 1951-52. Et je crois que 2010, ça correspond... on a trouvé à un moment donné une couverture... comme on a sur notre lit, hein, une couverture qui bouchait tous les trous à l'extérieur de la galerie. Voilà. Donc il n'y avait plus d'arrivée d'eau, donc forcément ça ne marche plus. Ouais. Et comme il n'y a personne en permanence au Marégraphe depuis 1998, autrefois le gardien il aurait vu tout de suite la couverture et puis il aurait enlevé ça et le mauvais fonctionnement aurait duré très peu de temps. Là, il a fallu un certain temps pour qu'on découvre la couverture. Voilà. Oui, c'est un petit peu à côté du sujet. Est-ce qu'on peut dire la hauteur des marées? Je sais pas si ça marche. La hauteur des marées à Marseille, entre le plus haut et le plus bas, dans les conditions normales? Alors, les conditions normales, ça n'existe pas. La marée, elle est changeante tout le temps. En fonction des saisons. Une grande marée à Marseille, c'est une amplitude de 30-40 cm. Hein, on est loin des 17 mètres du Mont-Saint-Michel.
Et ce que je vous ai montré au début avec la photo du vieux port, là, les quais du vieux port, ils sont à 1m10. Donc la différence 1m10 moins 40, par exemple, ça fait 70 cm. Ça, c'est de la météo. Voilà. Très bien. Je passe le micro. La météo, si vous voulez une image, un anticyclone, c'est comme si vous aviez un poids sur une surface gélatineuse. À l'endroit où il y a le poids, eh ben, la Lune a du mal à attirer la surface liquide. Donc la marée, l'eau monte très peu. À l'endroit où il y a l'anticyclone, ça s'écrase, effectivement. Et puis, il faut bien que notre gélatine aille quelque part. Donc sur les bords, ben, au contraire, ça monte un peu plus. Et une dépression, c'est l'inverse. L'air pèse peu sur la surface de l'eau, et donc la mer a tendance à monter très vite. Si en plus on a du vent qui pousse vers le fond du vieux port, si en plus il pleut, et ben on arrive à des choses comme à la tranche sur mer, où on a un phénomène extrême qui est une combinaison de tout un tas de phénomènes. Bonsoir. Bonsoir. Moi, en fait, c'était une question sur vos. Vous avez passé plusieurs schémas. Il y avait un schéma où vous parliez des vagues et qu'il y avait plus de pression maintenant sur les vagues. Elles étaient plus fortes, si je me souviens bien, sur le schéma. Et en fait, je me posais juste la question pourquoi les vagues étaient plus fortes, en fait, qu'avant. J'ai pas le souvenir d'avoir parlé de vagues plus fortes. Sur vos schémas, si vous passez le schéma, je vous dirai le... Hop, non. Voilà, attendez. Ça ? Ouais, voilà, exactement. Alors, c'est... c'était juste pour vous expliquer que... on a des mesures sur 137 ans. On peut faire nettement, je dirais presque, la moyenne sur ces 137 ans, mais ça n'a pas de réelle signification. Parce que le niveau de la mer en 1900, disons, et, enfin l'élévation du niveau de la mer en 1900 et l'élévation du niveau de la mer en 2020, c'est plus du tout la même. Donc voilà, on donne cette valeur de 1,2 mm par an sur l'ensemble de la série de Marseille. C'est juste une valeur comparative pour comparer à des choses qui sont calculées sur des périodes plus courtes et plus récentes. Voilà. Donc c'est pas les vagues, c'est le niveau moyen qui varie beaucoup plus rapidement aujourd'hui qu'il ne variait il y a quelques décennies. D'accord, mais ça il n'y a pas de rapport en fait, on peut pas comparer. Je pensais que c'était peut-être lié à la pollution ou à quelque chose. C'est pour ça que je me posais c'est la question. Alors. Il y a la fonte des glaciers. Enfin, pourquoi le niveau monte aujourd'hui? Il y a deux phénomènes. La fonte des glaces, donc toutes les calottes glaciaires, les glaciers alpins, etc. Et puis le fait qu'on appelle ça l'expansion thermique de l'eau chaude, ça prend plus de place que de l'eau froide. Comme les bassins ils changent pas de taille, et ben forcément, c'est l'eau qui monte. Voilà. Ça répond pas forcément à votre question qui était... Moi, c'était sur la pression, mais vous n'avez rien à voir. Parce que j'ai cru vous entendre dire tout à l'heure qu'il y avait des vagues plus fortes et plus de pression qu'avant. Oui, enfin, si c'est la question, c'est... le marégraphe de Marseille, il a été construit pour établir un niveau moyen. Et aujourd'hui, tout ce que je vous ai montré, c'est comparer des niveaux moyens. L'élévation du niveau moyen n'est pas le seul phénomène qui touche le niveau de la mer. Donc effectivement, on a aussi une force et une fréquence de phénomènes extrêmes qui changent avec les changements climatiques. Merci Alain. Donc, qui c'est qui avait demandé la parole en premier ? Bonsoir et merci. Pour en revenir à l'histoire, quid de la Deuxième Guerre mondiale ? Je pense que les gens entendent. Non ? Quid de la période de la Deuxième Guerre mondiale, s'il vous plaît ? Au niveau des mesures, est-ce qu'elles ont perduré ? Alors, on a vu tout à l'heure que les troupes d'occupation avaient supprimé l'échelle de marée qui était au Vieux-Port. Et
le gardien du marégraphe a pu rester en place pratiquement jusqu'à la libération de Marseille. Il y a eu un premier ordre d'évacuation à un moment donné, et puis il y a eu discussion entre l'IGN et les autorités d'occupation. Finalement, il est resté pratiquement jusqu'au dernier moment. À un moment donné, les ingénieurs d'IGN pensaient démonter le marégraphe et l'emmener dans un lieu plus sûr, parce que sur le littoral, on pensait que le marégraphe, il risquait quand même beaucoup. Ils ont été un peu pris par le temps, ça n'a pas été fait. Finalement, il a évacué le marégraphe quelques jours à peine. L'enregistrement s'est arrêté parce qu'il y a eu un obus qui avait éventré la maison du gardien. Donc il y a eu quand même quelques vibrations qui ont fait que tout ça s'est arrêté. Mais dès le lendemain de la libération, il est retourné au marégraphe et il a remis tout ça en route et voilà, et c'était reparti. Merci. Je voulais savoir si cet appareil historique, vous avez toujours les moyens, alors financiers, mais surtout techniques, de l'entretenir. Par exemple, éventuellement, l'artisan qui saura refaire une pièce qui serait cassée, par exemple, toujours une continuité des connaissances techniques, disons, par rapport à ça. Alors, on va dire, pour simplifier, on va dire que c'est de l'horlogerie, et on n'en est vraiment pas très loin. Donc, historiquement, ça a toujours été entretenu par des horlogers marseillais. Le premier s'appelait Santi, il était établi rue Saint-Ferréol. Le dernier, il s'appelle Gibernon, c'est le garde-temps, il est à Gardanne. Donc, effectivement, notre marégraphe, il s'encrasse, et de temps en temps, il faut nettoyer, il faut rénover, il faut... Voilà. Donc la dernière opération a eu lieu en 2018. Il y a eu, on va dire, 15 000 ou 20 000 euros de frais. L'IGN, à l'époque, avait fait un appel aux dons, qui est d'ailleurs, je crois, toujours en cours. Cet appel aux dons, il a déjà servi à entretenir l'appareil. Et il va participer aux travaux de rénovation des bâtiments qui vont avoir lieu normalement en 2022, sans doute à l'automne. Il faut refaire les grilles d'enceinte, il faut refaire la terrasse qui est juste derrière le portail. Enfin, il y a des travaux d'entretien. On est en milieu marin, un bâtiment comme ça, c'est effectivement un petit peu d'argent. Non, c'est le garde-temps, Thierry Gibernon. Alors, je ne sais pas, moi, je ne connais pas... Oui. C'est un premier ouvrier de France. Sur notre site internet, il y a une vidéo, je crois, ou c'est des diapos, je ne me rappelle plus, sur l'opération de 2018. Si vous avez trop de dons, pensez à la station marine d'Andoume. Oh non, l'architecte des bâtiments de France qui avait fait le devis pour tout ce qui était faisable au marégraphe, c'était 300 000 euros. Hein. Et là, on est parti plutôt pour des travaux à hauteur de 150 000. Voilà. Mais un complément de la question de monsieur, là, est-ce qu'il y a une volonté politique nationale et local de continuer à entretenir ce marégraphe qui a une valeur patrimoniale inestimable, comme vous nous l'avez fait voir. C'est une bonne question. Non, c'est un problème très complexe qui... Bon, aujourd'hui, on a effectivement des travaux, donc ça, bon, ça va se faire. Donc le côté entretien des bâtiments, la question ne se pose pas.
elle s'est posée à un moment donné, dans les années 90. À un moment donné, il y avait des gens à l'IGN qui disaient « Mais ça sert à quoi, ce truc-là ? Est-ce qu'on ne pourrait pas raser la maison du gardien pour faire des économies ?» voilà. Et au niveau international, il y a des gens qui se sont alarmés des ragots, on va dire, qui disaient que le marégraphe allait être supprimé. Voilà. Bon, 90, on parlait encore assez peu des changements climatiques. Je dirais qu'aujourd'hui, garder un marégraphe de Marseille, heureusement et malheureusement, on ne se pose plus la question. Voilà. Il faut garder l'observatoire scientifique. Après, le côté valorisation et visite au public et classement, établissement recevant du public, et etc., etc., c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais on va y arriver. Très bien. Une question ? Oui, justement, par rapport au marégraphe de Marseille, est-ce que si les mesures sont plus correctes, là, comme vous avez dit, est-ce que c'est lié du fait que en Méditerranée, c'est fermé, comparé si c'était en Atlantique ou ailleurs dans le monde, est-ce que c'est lié par rapport à les séismes? Bon, il y en a eu, là, on est dans la région, mais en mer, il n'y en a pas eu beaucoup comparé à ailleurs, comme au Japon. La mesure en Méditerranée, on l'a dit tout à l'heure, elle est très certainement plus facile que sur des océans avec des marées plus fortes. Maintenant, sur la précision des mesures, même quand on a des grandes marées, même quand on est... Voilà, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le long terme. Et même si la précision de la mesure ponctuelle est peut-être un peu moins fine à certains endroits, on arrive à avoir des choses très, très cohérentes et très précises sur le très long terme. Voilà. Merci. Veuillez m'excuser si je ne suis pas l'ordre dans lequel les doigts se lèvent, mais je crois que c'est monsieur après derrière, après monsieur et après Nicole. Bonsoir, merci. Vous m'entendez ? Oui, oui. Bon, merci pour votre conférence. Moi, je m'interrogeais simplement en mettant votre augmentation donc, du niveau à 4 mm par an. Comment ça se fait qu'on pouvait rentrer à pied dans la grotte Cosquer ? Alors, on ne parle pas... La grotte Cosquer, ça répond pas tout de suite à votre question, mais j'y reviendrai sur votre question. Vous savez qu'il y a un fac-similé qui va être installé à la Villa Méditerranée, voilà. Dans tout ce qui est prévu à la Villa Méditerranée, il y aura du marégraphe de Marseille. Ils ont fait une maquette des bâtiments qui sera exposée dans une des salles de la Villa Méditerranée. Il y aura mon bouquin à la librairie. L'idée, c'est de montrer à la Villa Méditerranée tous les changements et tous les moyens de mesurer le niveau de la mer avec des moyens techniques différents et sur des échelles de temps différentes. Ouais. Et c'est là qu'on arrive à votre question. La grotte Cosquer, on n'est pas du tout dans la même échelle de temps. Ce qui nous alarme aujourd'hui, c'est que l'élévation, elle est très, très rapide. Voilà. Le niveau de la mer, il a effectivement tout le temps changé depuis très, très longtemps. Mais c'était un rythme qui n'était pas du tout comparable à ce qu'on mesure aujourd'hui. Ça fait beaucoup de mètres, au final, parce que le temps est long. Voilà. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le rythme d'élévation et puis tous les gens qui aujourd'hui sont installés sur les littoraux. On a parlé d'un milliard de personnes qui vont être impactées rien que par l'élévation du niveau de la mer. Hein. Non, c'était les changements climatiques, pardon. Je dis des bêtises.
Non, mais on peut pas raisonner comme ça. Voilà. C'est pas comparable. Autrefois, c'était beaucoup plus faible. Pour la grotte Koskène, il faudra attendre mai une autre conférence mercredi dans Doubs avec Jacques Collina qui vient nous faire la conférence sur la grotte Koskène. Il est là. Mais il n'a pas droit à la parole. A pratiquement répondu. Je voulais aussi parler non seulement de Koskère, mais du fait que c'était pas l'entrée qui était au niveau de la mer à l'époque, mais que c'était 80 mètres plus bas. Donc c'était 120 mètres d'élévation. Oui, oui. Et donc ça, c'est bien de montrer qu'il y a une accélération sur les dernières années. Voilà. J'aurais aimé connaître les éléments extérieurs qui pouvaient perturber la mesure. Vous avez parlé des marées, un petit peu aussi de la pression atmosphérique. Donc ça, c'est des choses qui sont sur du court terme, et on a bien compris que ce qui était intéressant, c'était surtout sur du long terme. Est-ce que ces éléments-là sont relativement négligeables? Par exemple aussi le champ magnétique terrestre, s'il y a un changement du champ magnétique terrestre qui pourrait faire évoluer les mouvements d'eau ou ce genre de choses, est-ce que ces mouvements-là sont vraiment négligeables? Est-ce que le marégraphe fait une mesure vraiment juste constatée, ou est-ce qu'il peut y avoir des mesures compensées également par des éléments extérieurs sur un temps un peu plus long? Alors, il y a beaucoup de questions dans la même. L'idée au départ, c'est d'établir un niveau moyen. Hein. Et on a dit dès le début, on ne mesure pas seulement la marée, on mesure le niveau de la mer. Et donc il y a la marée et puis d'autres phénomènes. On a parlé essentiellement des phénomènes météorologiques, mais il y en a d'autres. Hein. Et finalement, on ne cherche pas à faire la différence. On prend la totalité des phénomènes qui agissent sur le niveau de la mer et on fait des mesures. Voilà. Donc les autres phénomènes, on ne peut pas dire qu'ils perturbent la mesure, on les mesure simplement avec les autres. Voilà. J'avais pensé à d'autres choses en route. Savoir du coup s'il y avait aussi des mesures qui étaient compensées par ces autres phénomènes, peut-être des phénomènes extérieurs. Alors, on a dit par exemple qu'on faisait des mesures avec des GNSS, des satellites. Je vous ai dit, à Marseille, on vérifie que le niveau de la Terre ne bouge pas et que ce qu'on mesure, c'est bien une élévation du niveau de la mer. Vous avez tout un tas de phénomènes qui sont assez rigolos, hein, qu'on peut illustrer. Le marégraphe de Dieppe, par exemple. Il est dans une zone alluvionnaire. Donc le marégraphe de Dieppe, il a tendance à s'affaisser. Donc si on prend la mesure brute à Dieppe, on se dit, oh là là, la mer à Dieppe, elle monte beaucoup. Ben non, la mer à Dieppe, elle monte à peu près dans la moyenne nationale. Et en même temps, le marégraphe descend. Donc effectivement, la différence a tendance à être forte. Vous avez d'autres... Des phénomènes, il y en a plein, hein, sur la Terre, c'est une éponge, il y a tout un tas de phénomènes. Vous considérez que, on va en illustrer un avec le bras, comme ça, vous considérez que ça, c'est la Bretagne. Ici, vous avez Rennes, ici, vous avez Brest. Tous les jours, on a beaucoup d'eau qui vient sur le plateau continental, hein, avec la marée. Ben, Brest fait ça. Hein. La mer se retire, Brest fait ça. Et le ça, en période de grande marée, ça fait quand même une amplitude qui est de l'ordre de 10-15 cm. C'est pas rien. Après, il n'y a pas de fissure dans les maisons à Brest, parce que tout bouge à peu près de la même quantité. Mais bon, j'ai l'habitude de plaisanter avec ça des fois. S'il y a des Bretons parmi vous, là. S'il y en a, je vais me faire un plaisir de dire des bêtises.
Les Bretons, s'ils sont un peu bizarres, c'est pas le chouchen. C'est que deux fois par jour, ils ont le cerveau qui vient taper contre la boîte crânienne. Donc forcément, ça fait les gens un peu bizarres. Il y a un barbu qui a l'air d'apprécier la plaisanterie. non, mais si on veut, voilà, c'est des choses très sérieuses. On peut prendre l'exemple de la Scandinavie. La Scandinavie, donc ça, c'est ce qu'on vient d'illustrer comme ça. C'est de la surcharge océanique. Hein. La Scandinavie, autrefois, elle était couverte par des centaines de mètres de glace. Cette glace, elle a fondu. Mais la remontée de la Scandinavie continue. Ce qui fait que si on prend les données brutes du niveau de la mer en Scandinavie, on a l'impression que la mer monte. C'est pas ça. C'est que la Scandinavie monte plus vite que le niveau de la mer dans ces endroits-là. Donc voilà, des phénomènes, il y en a plein. Mais moi, j'étais géodésien, c'est mesurer la Terre. Mes anciens collègues, ils ont du boulot parce que tout ça, c'est en perpétuel mouvement. On met de plus en plus le temps comme quatrième coordonnée, on va dire, parce que voilà, tout ça est évolutif et il y a du boulot pour l'éternité. Voilà. Il y aurait aussi à parler pour toute la nuit, mais peut-être on va finir avec deux questions. Nicole et monsieur au fond pour clore, parce que tout le monde part, je crois que tout le monde a un petit peu faim. C'était une question très simple. Est-ce qu'en dehors du niveau de la mer, il continue d'être mesuré au marégraphe la température de l'eau ? Non, malheureusement. Il y a eu effectivement, comme la météo a une influence sur le niveau de la mer, quand il y avait un gardien, il y avait tout un tas de mesures de pression, de température, de salinité. Tout ça s'est arrêté en 1988, après le départ du dernier gardien. On a quand même des données météo au marégraphe de Marseille. Il y a la CERAM qui a un pluviomètre sur le toit du marégraphe. Avec la station RGP, donc la station GPS permanente, il y a une station météo qui est gérée par l'IGN. Enfin voilà, il y a une continuité sous une certaine forme, mais qui est assez peu accessible, moins accessible que la donnée de niveau d'eau. Voilà. Il y a eu quand même, par rapport aux mesures historiques, deux comptes rendus géosciences de quelqu'un qui travaillait à l'IMBE à l'époque, enfin je ne sais pas si ça s'appelait l'IMBE, mais qui travaille ici à Andoum, Jean-Claude Romano, qui avait publié sur ces mesures-là. Et enfin, donc, dernière question. Oui, peut-être que la question a été abordée, mais est-ce qu'il y a une coordination internationale, quelqu'un qui chapeaute toutes les données nationales? Parce que, je ne sais pas, question bête, qu'il y a une différence, par exemple, entre la France et l'Italie, est-ce qu'il y a une coopération? Ils ont leurs propres références, ils n'ont peut-être pas la même altitude du Mont Blanc que nous. Comment ça se passe? Oui, il y a deux questions. Le niveau de la mer, il y a des réseaux, par exemple GLOSS, hein, qui est au niveau mondial. Donc effectivement, on mesure les mêmes choses, un peu, c'était la question de la dame tout à l'heure, on mesure les mêmes choses à différents endroits du globe. Si la question concerne les altitudes, effectivement, on a dit tout à l'heure, notre zéro de Marseille, il est valable pour la France continentale et la Suisse. On n'a même pas besoin d'aller chercher en Italie, en Corse. Il y a un zéro qui a été fixé à partir d'un marégraphe à Ajaccio. Et les altitudes de Marseille, du continent et de la Corse, eh ben, ce n'est pas tout à fait les mêmes. À Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France, il y a des marégraphes pour fixer les altitudes locales. Après, si on raisonne sur le Mont Blanc ou on n'est plus du tout dans la même échelle de précision. Hein. Ce qui intéresse la hauteur des montagnes, c'est plutôt une échelle, on va dire, décimétrique ou métrique. On ne cherche plus le millimètre. Hein. Et si on fait varier les dernières années, il y a de la communication sur l'altitude du Mont Blanc qui évolue au cours du temps. On ne mesure pas vraiment la hauteur du Mont Blanc.
C'est l'ordre des géomètres experts qui monte sur le Mont Blanc avec un récepteur GPS et il stationne la couche de glace et de neige. Donc on mesure en fait la météo qu'il a fait les 6 mois avant. S'il est tombé beaucoup de neige, s'il y a eu beaucoup de vent, donc ils peuvent monter sur le Mont Blanc éternellement. La hauteur va varier éternellement. Si on voulait vraiment comparer, il faudrait aller chercher le rocher, mais il y a 17 mètres, de l'ordre de 17 mètres de glace sur le Mont Blanc. Donc c'est un peu compliqué d'aller mettre un récepteur GPS sous la glace. Voilà. Très bien. Un dernier appel, parce que monsieur a fait les yeux doux, alors... Merci, c'est gentil de m'accorder la dernière question. J'aimerais savoir où est-ce qu'elles sont gérées les données du marégraphe de Marseille, dans quel, je sais que c'est l'hygiène, mais où, et oui. Quand est-ce qu'il est prévu la prochaine visite du marégraphe? Merci. Alors, où c'est géré? Sur un site internet qui est très très bien, qui s'appelle Les Amis du marégraphe de Marseille. Vous avez quatre champs principaux en haut, là. Vous cliquez sur le marégraphe et dans le marégraphe, vous avez un lieu unique. Et là, vous avez, à la fin de tout ce qu'on raconte sur cette page-là, tous les sites qui diffusent les données du marégraphe de Marseille. Donc la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure du PSMSL, vous cliquez sur PSMSL qui est en orange sur cette page qui est exceptionnellement bien et vous tombez sur cette courbe-là. Vous avez d'autres sites qui s'appellent SONEL, c'est le système d'observation du niveau des eaux littorales, où vous avez d'autres données. Vous avez sur la même page un lien vers le site du CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine, où là vous ne trouvez que les données du marégraphe numérique, donc depuis 1998. Et puis vous avez aussi les données satellitaires GPS, donc ça c'est une page de l'IGN. Il faut cliquer sur RGP, réseau GPS permanent, GNSS permanent. Donc tout ça est sur notre site. Et la visite, pardon, j'ai oublié, ça m'arrange tellement d'oublier. Je n'en sais rien. Si c'était que de moi, demain. Mais ça ne dépend pas que de moi. Ben merci beaucoup, merci Alain pour cette jolie conférence. Merci à vous tous, merci aux internautes qui nous ont suivis et je vous donne rendez-vous pour le dernier mercredi du mois d'avril. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez un papier si vous voulez recevoir les affiches de publicité annonçant les conférences. Vous avez un petit papier pour me mettre votre adresse mail. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et merci à vous. Beaucoup Alain. Merci.